Ça me saoule, c'est quoi ? Ouais, donc les gars, nous on veut vraiment jouer nos scènes parfaitement. Le souci, c'est qu'il y a des trollers qui viennent nous faire chier, nous écraser. Donc, dans la main. Le pauvre. Ouais, éteins tes chiottes, le médecin, là. T'es sérieux, là, de montrer tes chiottes, ça, ça pue, gros, ça pue. C'est maman, je sais pas comment ça a fait. What ? Ouais, mais garde ton canapé, là. Ah, mais tiens ton tes doigts à château roux, t'es sérieux, là. Vas-y, rentre à Poitiers, là. Oh, l'Omica, là, retourne dans ton magasin, là. Qu'est-ce que tu nous fais, là ? On y va ! Et c'est quoi ce qu'il y a sur YouTube ? Par contre, il y a ta mère qui parle derrière. Tu dois aller manger, je crois, non ? Tu parles à qui ? Bah, à toi ? Non. Ouais, je suis en train de faire ça. Non, mais je te demande, Ramadan ou pas, tiens ta mère. Je te dis direct, tiens ta mère. Par contre, à Carou, tiens ta famille, là. Qu'est-ce... À Carou, Dis-le. Je sais pas, je me sens un peu... Non, c'est le protocole, monsieur. Bah, le protocole, il est là. Écarte-toi pour qu'il pose avec. Écarte-toi pour pas qu'un... Ça aussi, c'est le protocole. Ah, c'est un mois sacré, hein, quand même. Hein. Comment il s'appelait le Bosch là qui tuait tous les non. juifs Non, on va pas. Non, eh ben oui, lui, il m'a sorti. Voilà. Monsieur H. Oui, et ben lui, non, il sortait. Non. Il avait son prénom. J'ai dit, hey, toi là, qu'est-ce que tu viens faire là? Super, quoi. Je suis argent 2, j'aimerais bien avoir du rank. Orange, par contre, évite de jouer dans le salon. Les bruits de famille, c'est chiant, quoi. Vous avez pas de chambre ou quoi, bande de pauvres? C'est pas moi, hein. Moi, je suis dans ma chambre, frère, y'a personne à côté de moi. Bah, moi, y'a personne. Je sais pas, j'entends des bruits de fond. Là, vous me voyez bien? On te voit bien. D'accord, nickel. Je te remercie. Y'en a qui se mettent dans le noir, moi, ça ne me gêne pas. Ils se montrent, bah, tant mieux, hein. Tu serais dans le noir, c'est. Ah, excuse-moi. Tu serais dans le. Hein? T'as bien compris? Oui, ça, oui, c'est sûr que je serais dans un fond noir. Sur un fond noir, on ne verrait pas. Excellent, ça démarre bien. Ça te dérange pas si en attendant je fais mes vocalises pour m'entraîner? Non, vas-y. And nothing else matters. Let's go. Yeah. Let's fucking go. Je viens d'avoir les tympans éclatés. Ouais, c'est bon. Oi. Rock and roll. Et pour montrer à tous les simuleurs défracteurs qui me regardent, ça c'est l'esprit de l'Arius TV. Allez. Ça c'est l'esprit de l'Arius TV. Non, déplaise aux détracteurs, ça c'est l'esprit de l'Arius TV. Allez votre procès, allez vous foutre dans le cul votre procès de merde. Allez vous foutre dans le cul votre procès de merde. Dis-leur quoi? Je leur dis. Allez vous foutre dans le cul votre procès de merde. Ah ah. Qu'est-ce qu'elle met? Qu'est-ce qu'elle met? Qu'est-ce qu'elle met? Les gars, comme quoi, il y en a qui ont de la tête. Qui ont de la tête et qui en ont dans le cerveau, dans le cibolo, quoi. Et elle est très intelligente. C'est pour moi, c'est une forme d'intelligence de pas écouter ce que les gens disent. Parce que même moi, ça m'est arrivé, hein. Voilà, on te dit des choses à propos d'une certaine personne, voilà. Et regarde, Nazim ou Rius, regarde cette personne-là. S'il te plaît, la côtoie pas, c'est un confini. Mais en fait, quand tu vas vers les gens et que tu veux te faire ta propre version, tu dis, mais attends, mais pourquoi il me dit du mal de cette personne alors que au final, je lui parle, mais ça se passe très bien. Les gars, c'est un conseil même dans la vie de tous les jours, les mecs, hein. Arrêtez d'écouter les autres bêtement et de foncer comme des putains de moutons. Quand je vous dis qu'à chaque fois sur Internet, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont même pas leur de propre opinion, ils sont là à suivre cette pensée unique comme des golemons. Développez ça, votre esprit critique, les potes. C'est important. Et faites-vous vos idées vous-même. Ouais, gros, désolé, je me suis un peu emporté. Y'a pas moyen que tu me ramènes, tu me déposes à un endroit. Tu veux aller où? Dans le cul de ta rhum. Vas-y, tu sais quoi? Descends, on va voir où est-ce que je vais aller. Fais pas le malin, gros, je connais des gangs, gros. Ah, voiture gratos en fait, tranquille.
C'est bon, je m'arrête. Non, je déconne. C'est bon, je m'arrête. Bah, promis, je m'arrête, gros. Par contre, ça peut arriver qu'à un moment, j'ai des trucs à célébrer, donc je vais crier. Tu me conseilles de. Oui, ça va se faire à l'œil. Pète sa couille! Nazim, va fermer la porte parce que sinon, t'entends du couloir. Okay. Gros, ça me casse les couilles là! Ça fait le troisième serveur là! De quoi tu parles? C'est quoi ça le serveur là? Mais je m'en bats les couilles! A chaque fois que je suis sur un serve, y'a un gars qui urine tout! Avec son RP schlagué, soit c'est un pige, ou ça c'est un mec qui fait du RP avec un pince-nez! De quoi? Qui laisse sur un tunnel avec un stérilé! Est-ce que tu veux que je te donne une solution du coup? Mais gros, ça casse les couilles là! Tu veux une solution? Mec, il parle comme ça! Bah tu désinstalles. Putain, j'arrive pas à parler, tu désinstalles. Mais apprends à parler alors! Un écran 200 caractères. What the fuck did you take him away from us, you motherfucker! Je vais dropper la bombe. T'es où, Dajmi? Ils sont où, les ouris, dans les tournois Valorant? Je serai dans les tournois Valorant! Alors, Gotaga, je serai pas dans les invités dans les tournois Valorant! Je fais un tweet et je serai invité dans les tournois Valorant! Ah, y'a Nil qui est en cours là. Je fais un tweet. Malek, petit mais non. PD. Non, mais Malek, il a rien à voir. PD, vous êtes. Laisse Malek tranquille. De couilles. Derrière un écran, vous faites des beaux. Je t'ai dit, vas-y, donne-moi ton numéro en privé. Chacun va me donner le numéro en privé. D'accord? Et si j'appelle et que c'est faux, je vais niquer ta chaîne YouTube. Je vais marquer que des merdes et tous les collègues à mon fils qui ont 16 ans, ils vont niquer ta chaîne YouTube. Hors de bien. Espèce de petite merde de pute. Ouais, ceux-là, je les aime pas, ils sont pas... Mets-le sur YouTube. Enfant de pute, suceur de bite, Malek et tous les autres. Suceur de bite. Mais Malek, il a rien, il fait des tutos, il a rien demandé. Pour venir me voir en privé. Viens en privé, marque-moi ton numéro, je t'appelle, je fais les kilomètres de Marseille. Je viens, je t'encule, toi et tous tes collègues, d'accord? Mais Malek, il est à Marseille. Tu comprends, je t'encule. Bande de PD, reviens plus sur mon live, fils de pute. Monsieur Bleu, merci. J'ai fait un triple boucle piqué. Non mais sérieux, c'est quoi tous ces viewers putain là? Eh les smuleurs, dégagez de mon live! Dès que je me suis mis à smule, y'a un arrivage là, putain! Dégagez là! Bande de chiens de la casse là! C'est le viewer harcèlement ce que vous faites là! Ça viewer harcèlement! Sortez de mon live! Ça vous suffit pas de mettre des commentaires là, malveillants! Sous ma chaîne YouTube! Waouh! C'est toi là? Ma calache est armée, les civils désarmés. J'élimine des Français, c'est vaste qu'il faut remercier. C'est pas, ils ont comme mes parents. Ils regardent un documentaire sur l'Égypte ou sur la Syrie, à chaque fois j'ai des crises d'épilepsie. Je suis en train d'exploser de l'intérieur à défaut d'exploser sur la bande de Gaza. Mais ouais, je te donne pas, et ça se trouve, il est grave mal là devant son téléphone. Je suis désolé. Avec toi, j'irai bien. Oula, oh là là. C'est une proposition ça. Mais... Même sans toi, j'irai bien. Mais elle est chaude. Waouh. Wow. Elle est bien, elle est bonne ambiance, les gars. C'est chaud. Ah, ça me suçait des queues là, j'ai vu. M'exposer. Brûler ce que l'on. Aujourd'hui j'habite à Évreux, ça se passe beaucoup mieux, mais j'ai toujours un traumatisme. Et à chaque fois que je vois une personne un peu barbue... À chaque fois je suis obligé de changer de trottoir. Et je suis allergique à tout ce qui est écriture arabe. Ça me fait cligner des yeux. Arrête de rigoler toi. Tu me vois pas, quoi. Surtout qu'il arrive pas à marcher. J'ai des vidéos moi qui est sur tes genoux et tout, t'inquiète pas, j'ai tout, voilà. J'ai tout, t'inquiète pas. T'es sérieux là? Eh ouais frère. T'as droit de toucher à mon fils si tu veux, y'a pas de soucis. Mais s'il te plaît, pas mes vidéos. Ne stringue pas mes vidéos s'il te plaît. Fais rire, voilà. Comment je vois que t'es en train de me filmer? Ça tue sa mère. T'as toujours même vice. Voilà, t'es tout pisté frère. T'es tout mais pisté. Mais non, regarde, je t'es suis naturel. T'es tout pisté, voilà, t'es tout pisté. Lave ma mère. J'ai simplement mais parlé français. Mais maman, tu sais même pas parler français, lâche-le. C'est quoi, c'est les télétubbies là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, pourquoi c'est des voix de pisse qui m'agressent? Vous êtes sérieux, c'est quoi ces cadets? Vous êtes pas crédible avec vos voix d'enfant. Attends, viens, je te lâche. Je suis à vous, voilà. Je veux pas le savoir, où elle est allée. Allez, ferme-la, attention. Vas-y, tu peux y aller. Et putain, impact. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce...
toi, monte-toi, monte-toi. Ouf, ouf. C'est qui toi, canard? Attends, c'est qui lui? Bah merci, ça me fait 230. C'est qui toi? Tu veux jouer? On va jouer. Oula, tu veux jouer? Nique ta mère la pute. Oh, regarde, maintenant je regarde ce truc. Nique ta mère la pute. Ta mère, je la b***e. Ta soeur, je la b***e. Ta grande soeur, ta petite soeur, ta grand-mère, ta cousine, ta tante. Et je b***e toute ta famille, fils de pute. Nique ta mère. Ça va? Et maintenant, ciao. Merci, Wawa. Merde. Pouilleux, va. Allez, pan. Ta soeur, la merde. Et personne n'y tire ou quoi? Vous tirez pas ou quoi? Oh, diffusez, les gars, vous niquez tout, quoi. Ça manque, tu parles, trou du cul. Ouais, vous pouvez me tirer dessus, vous pouvez m'arrêter tout ce que vous voulez. Non. Ils ont pris des voitures de flics et ils ont fait les experteurs comme si c'était des mecs. Et vous, vous faites rien. Mais monsieur, c'est la voiture de mon papa. Allez, 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 dégage là, dégage. Comment ça, la voiture du papa? Allez, là, ouais, prends la voiture. On va mettre un timer d'ailleurs, hein. Je pense qu'on va se limiter à 2 minutes. Non, j'ai fait de la merde, Mais merci, non, je comprends rien à son accent. Ouais, mais t'inquiète pas. Je suis pas raciste, ça n'a rien à voir. Je le dis tout de suite. Ta mère la pute, Ryu. Ta mère la pute, Ryu. Il parle à qui? Tu t'as fait sur moi. T'inquiète pas. Hein? Il parle à qui? Doucement, le dossier se présente. Il va grandir. Il grandit. Le dossier? T'inquiète pas. Ça va arriver. T'inquiète pas. On va s'amuser un jour, Inch'Allah. T'inquiète pas. Bon, on m'a dit. Un pote à moi m'a dit ça, mais je le crois pas. Hein. Il m'a dit que pour muer, il faut baiser. Ouais, c'est vrai. Moi je me casse, c'est bon. Non, je rigole. On rigole. On va te virer, hein. C'est ouf, ça. C'est bon, il y a l'autre aussi qui arrive. Il y a Riri qui réagit là sur la chaîne, mais du coup, comme je suis avec toi au téléphone, j'entends pas ce qu'il dit. On est en train de te dire que Rose, t'es une fille remarquable, très intelligente, tu démarres les autres. Franchement, regarde parce que t'as du second degré. C'est fini, ça. Donc voilà. Donc, j'ai des fans, mon dieu, je reçois plein de cœurs sur la chaîne. Elle kiffe, les gars, elle en... Elle kiffe. Waouh, wow, j'ai un fan club. Des barres, voilà. Putain, en fait, tous les abonnés, en fait tous mes abonnés, potes, en fait, tous ils, mes sont potes abonnés à... ils sont abonnés à ce machin, à ce truc, là. À ce machin, là. Je déconne, frère, je déconne, Ryu, je déconne. Il y a un moment, il faut que je parle plus sur toi aussi, comment ça, c'est pas toujours sur moi, il y a un moment, il faut que ça retourne, le truc. Il faut regarder les autres trucs. Yo, E.T. téléphone maison, je vais t'appeler l'extraterrestre, toi. Alors, tu veux juste faire un buzz sur mon dos? Hein? Bah écoute, tu veux me mettre dans un whitelist et me kick après une semaine, ça? Son vieux par-dessus râpé, les joues de paix quand il rentrait, l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Avec mon vieux, il se retient. Chez nous, y'avait pas la télé. Excusez-moi. C'est là que j'allais chercher. Pendant quelques heures, l'évasion. Et tu sais, c'est con. Mais je chante bien plus, les gars. Ah, dire que j'ai passé des années des à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux.